et voilà, chers amis, une autre vidéo concernant la philosophie de la conscience de Krishna. Ok. En fait, nous, les dévots de Krishna, on ne se contente pas de petits bénéfices. On veut le plus grand des bonheurs. Ok? On est gourmand. On veut se sortir de ces graves et grandes misères de ce monde matériel. Personne dans ce monde ne parle de ces misères. Les gens ne font que des arrangements temporaires pour du soi-disant bonheur. Même les chiens et les chats font ceci, ok? Découvrez dans cette vidéo les vraies misères de ce monde et comment s'en libérer définitivement. Ok, alors on prend ces instructions de Srila Prabhupada qui est venu nous enseigner tout comment se sortir de ce monde et devenir pour une fois pour toutes vraiment heureux. Pour toujours, ok? Pas temporairement, pas toujours. Ok, le verset qui est dit dans le Bhagavad Gita, le verset 4.34, cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel, encore toi d'elle avec soumission et tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler de savoir qu'elle a vu la vérité. Et il y a un code QR vers la fin de cette vidéo qui va vous emmener directement sur la Bhagavad Gita sur le site www.veda.com. Ah ouais, Hare Krishna, on poursuit. Ah ouais, Hare Krishna. Ah ouais, ok, Hare Krishna. En fait, ces grandes misères sont la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ok? Ça, c'est vraiment les vraies misères de ce monde. Il y en a trois autres que je vais vous nommer à la fin de cette vidéo. Ok? En fait, donc, commençons par la naissance. Ça paraît bien beau. Souvent, on entend parler que les gens disent « Ah, on est confortable dans le ventre de notre mère. Tout va bien. Tout est correct. » Mais c'est vraiment pas le cas. C'est très, 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 très pénible. On est renfermé dans un petit espace très restreint. Il fait noir, on a de la misère à respirer. Et puis, c'est vraiment, vraiment pas agréable. Et puis, à la fin, on sort par un petit orifice, tout petit orifice, pour arriver dans ce monde, ok? En fait, c'est dit que les 7 premiers mois, on dort, on n'a pas connaissance. Dans un sens, c'est mieux même, parce que c'est pas confortable. Après ça, on se réveille. On est environ 10 mois dans ce ventre-là, enfermé. Hein? Et puis c'est vraiment parce que après les 7 mois, bien là, on peut se rappeler de 100 vies antérieures. Bien là, on comprend, oh, ok, je suis éternel, j'ai déjà vécu avant cette vie ici. Okay? Puis encore une fois, bien, quand on sort par l'orifice au bas du ventre de la mer, bien notre tête est vraiment compressée, elle passe dans un petit trou de rien. Fait qu'à ce moment-là, on oublie toutes nos 100 vies antérieures. Okay? En fait, c'est la naissance, il y a la maladie. La maladie, bien sûr, personne n'aime ça être malade. Hein? on a expérimenté dernièrement la COVID, c'était vraiment une épidémie. C'était vraiment pas agréable. Et puis même moi aussi, je l'ai eu pendant que ça m'a duré peut-être une semaine et demie. C'était vraiment pas agréable. Je faisais juste dormir. Puis je me demandais si j'allais revenir en santé. En tout cas, finalement, je suis revenu, bien heureusement. C'est ça. Puis en fait, le cancer, c'est une maladie vraiment cancer des os, cancer du pancréas, cancer de tout, de la vessie, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est des choses qu'on n'aime pas. On n'aime vraiment pas ça, être malade. Personne n'aime ça être malade. La personne vient aussi la vieillesse. La vieillesse, on sait, moi j'ai 75 ans. Je sais, je ne suis plus comme un jeune de 15 ou 20 ans. Je me souviens quand on était tout petit, jeune, nous on vivait à la campagne, on grimpait dans les arbres, on courait, on s'amusait entre nous, entre toutes les autres personnes. On allait sur l'eau en radeau, on faisait toutes sortes d'activités que je ne fais plus maintenant. Je ne fais plus, je ne suis plus capable. Je demeure au troisième étage, et puis bien, je monte toujours encore les escaliers. Mais avant, il y a quelques années, je courais dans les escaliers, je courais. Là, je ne cours plus. Je monte facilement encore, mais en tout cas, je donne mon exemple, mais il y a bien des gens, c'est pire. C'est vraiment inconfortable. J'ai vu dernièrement, sur la rue, en traversant une lumière, un monsieur était plié en deux, était environ à 90 degrés, vraiment, vraiment penché, et puis il marchait avec une canne, très lentement. La personne était très âgée, je ne peux pas dire quel âge il avait, c'est difficile à dire, et puis là, les autos s'impatientaient, il y avait hâte qu'il soit passé, parce qu'il passait vraiment pas vite,
En tout cas, ça fait partie de la vieillesse aussi. Hein? Et puis aussi, il y a des personnes âgées qui deviennent séniles. Hein? Ils perdent la mémoire, ils perdent l'intelligence. Ça fait partie de la vieillesse aussi. Je me rappelle aussi, j'ai pris des notes. On perd de la force, on marche lentement. Puis souvent, les gens âgés ont des cataractes dans les yeux. Si ça ne va pas opérer, bien, ils vont devenir aveugles. Puis ça, une fois aveugles, c'est il n'y a plus rien à faire. C'est fini pour le restant de la vie. Hein? Puis aussi, beaucoup de gens, des hommes autant que des femmes, ont des problèmes de vessie. Hein? Des vessies, je connais quelqu'un qui est un dévot, que lui, il doit se lever 4, 5 ou 6 fois chaque nuit, pour aller uriner. Donc, j'en connais un autre aussi, que lui, une vingtaine de fois dans la nuit, s'il ne prend pas des somnifères, il va aller 20 fois, il devra se lever 20 fois pour aller uriner aux toilettes. Il a 71 ans, OK? Fait que ça, c'est tous des problèmes qui viennent avec la VS aussi. OK, je ne bougeais pas, OK, on se... Ah, aussi un autre point, j'ai pris en note ici, c'est une autre chose, on entend souvent parler que des personnes âgées, ils s'ennuient. Pourquoi ils s'ennuient? Parce qu'il n'y a plus personne en entour d'eux, qu'il n'y a plus d'amis, ils ont perdu leurs parents, ils sont décédés, ils sont vraiment seuls face à la vie, et puis ils s'ennuient terriblement. Hein? Fait que, regardez, quand vous marchez sur la rue, vous allez sur une rue principale, regardez les personnes âgées, comment est-ce qu'elles agissent. Hein? Vraiment, ils ont perdu de leur beauté, ils sont plus beaux, souvent. Mais ça peut arriver encore qu'ils n'aient pas si mal, mais c'est plus comme la jeunesse. C'est plus comme il y a 20, 25 ans, 30 ans. La beauté a disparu. C'est ça. Ça fait qu'on commence notre vie, on est vraiment en forme, en physique, on est beau, on est et puis on court, on marche, il n'y a pas de problème. Mais à la vieillesse, tout change. Ça, c'est vraiment une grande misère de ce monde, OK? Puis une autre misère qui est la mort, hein? Si je vous disais que vous allez mourir dans quelques minutes, vous seriez vraiment en anxiété. Mais pourtant, ça va arriver. Je me rappelle un de mes amis, en fait, c'est pas un de mes amis, un de mes cousins, il est allé voir le docteur, il a dit, tu en as pour 15 jours encore à vivre, 2 semaines encore à vivre. Oh, ça l'a vraiment traumatisé, c'est vraiment... Mais finalement, il est resté un mois. Après un mois, il est décédé. Ça s'est arrivé il y a quelques années. Hein. C'est qu'on ne sait jamais, hein. Encore une fois, quand on vient en OG, à la mort, on perd nos amis. On perd toutes les relations qu'on avait avec des gens dans ce monde. C'est fini. On ne les reverra plus jamais. Peut-être dans une prochaine vie, mais on ne va pas les reconnaître. Ça ne changera rien. Bienheureuse, notre épouse, notre conjoint, qu'on a si aimé, hein, on va le perdre. Nos enfants, on va les perdre aussi. Hein? Ça te rappelle aussi qu'un de mes amis, c'est pas mes amis, un ami à mon frère, il s'en allait un jour au parc La Fontaine, ici pas loin, et puis en traversant la rue, son ami s'est fait tuer. Il s'est fait frapper par une auto, il est mort instantanément là. Sa mère est venue le voir, elle a su, mon frère était dans la voiture à sa mère, que votre garçon a eu un accident, elle a dit, es-tu mort? Puis finalement, mon frère n'a pas répondu, mais quand il est arrivé, son petit garçon était mort. Ça, c'est la mort, notre mort, c'est terrible, et la mort d'un proche, comme les enfants surtout, bien, c'est terrible aussi. La mort fait vraiment partie de ce monde. Encore une fois, naissance, maladie, vieillesse et mort, les vraies misères de ce monde. Avec Richard. Je vous disais qu'en plus de ces 4 grandes misères, il y avait au début de la vidéo, qu'il y a d'autres misères. Okay? En fait, c'est les misères des autres entités vivantes. Il y en a une entre autres, c'est les autres entités vivantes qui viennent créer de l'anxiété. Un voisin qui fait du bruit. En tout cas, les insectes dans la maison, ou peu importe. On se promène, je vois aussi des fois au parc, puis il y a toujours des petits maringouins, des fois des gros nuages de maringouins qui viennent sur nous, c'est on est toujours en train de faire ça, hein? C'est dérangeant. Là, c'est une autre misère de se montrer. Puis c'est la nature matérielle, comme les ouragans, les tsunamis, les épidémies, encore une fois, bien, comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de la COVID, bien, qui viennent vraiment nous déranger, on n'aime pas ça, ces choses-là. Okay?
mais aussi le corps et le mental, qui est la troisième misère. Bien, notre corps qui nous donne des problèmes, notre mental qui nous crée de l'anxiété, et ainsi de suite. Ah, OK, Hare Krishna, c'est les trois autres misères de ce monde. OK, Hare Krishna. Bon, OK. En fait, on recherche tout le bonheur. On veut tout être heureux. On veut tout être heureux dans ce bonheur. Si nous recherchons le bonheur, c'est que nous ne l'avons pas trouvé. On ne l'a pas trouvé, OK? Hein? Il faut comprendre qu'il faut apprendre à se libérer de sa misère de ce monde, OK? Quand on dit se libérer, il faut définitivement se libérer des misères de ce monde, OK? Ça veut dire dans la prochaine vie, les autres vies, et on doit ne plus avoir à être en contact avec le monde matériel. On ne peut plus en être en contact avec les misères de ce monde. On doit retourner dans un monde où ces choses n'existent pas, OK? Là où le monde spirituel est l'endroit où nous devons aller, parce qu'en compagnie de Krishna, on n'a pas aucun de ces problèmes-là. On est en amour avec Krishna, Dieu la personne suprême, et on a des divertissements avec Krishna, avec ses amis, ainsi de suite, et on ne connaît pas ni la naissance, ni la vieillesse, ni la maladie, et ni la mort, OK? Puis ni les trois autres misères de ce monde, OK? C'est ça qu'on apprend dans la conscience de Krishna. Comment devenir heureux? Les gens ne sont pas au courant de ces misères-là. Puis les gens n'acceptent pas souvent les philosophies, la philosophie de la conscience de Krishna. C'est malheureux parce qu'ils vont avoir à souffrir continuellement, vie après vie. Ils peuvent faire des milliers de vies, des millions de vies. Hein? On a peut-être passé, on ne sait pas combien de vies qu'on a eu antérieurement. On a eu plusieurs, ça c'est certain. Puis on a tout, à chaque fois, on a connu la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Là, on sait, on vous donne le truc. Hein? Le truc, bien, Srila Prabhupada, en fait, pour se libérer de ces choses-là, il faut réciter le Maha Mantra. Okay? En fait, le truc, c'est qu'au moment de la mort, hein, ce à quoi on pense, on va prendre un corps proportionnel à notre dernière pensée. Hein? Fait que si on pense à Krishna au moment de la mort, bien, à ce moment-là, on retourne dans le monde spirituel pour l'éternité. On n'aura plus à revenir dans ce monde matériel ici. Okay? Fait que il faut pratiquer, il faut chanter, réciter le Maha Mantra. Si vous avez un japa, réciter le Maha avec un japa. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et ainsi, votre vie deviendra sublime. Et vous connaîtrez le bonheur total, ce fameux bonheur que nous recherchons et que nous recherchons depuis longtemps. On a toujours voulu être heureux. Bien là, vous avez la formule. Là, vous avez la formule, c'est de chanter Hare Krishna et se libérer de ce monde matériel. Nous sommes prisonniers ici. Là, c'est la façon, en chantant Hare Krishna, on enlève les barreaux devant nous et on retourne dans le monde spirituel. Hare Krishna, et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Ouais, OK. Une dernière chose que je voulais ajouter, que j'ai oublié, je voulais parler, mais j'ai complètement oublié. En fait, même dans cette vie ici, si on chante Hare Krishna, on suit la philosophie de la conscience de Krishna, eh bien, on va commencer à être heureux immédiatement. Dans la conscience de Krishna, on danse, on chante, on a les meilleurs festins au monde, on a la meilleure nourriture au monde, c'est vraiment agréable, on a des bonnes compagnies, des gens qui suivent le même but que nous. Fait que c'est, encore une fois, une vie parfaite. Alright? OK, Hare Krishna.